Bon. La lumière. Du mat, on est prêt. Bon, je pense qu'on a fait un travail de qualité dans un temps imparti assez raisonnable. Oui, oui. Bon, on est prêt ou pas? On est prêt. On est prêt. Ok, maintenant on va prendre les paris sur le nombre de kilomètres que tient le mât. Avant d'être raccourci d'environ 50 cm. Ah non, d'environ la moitié. Non, on a pas dit qu'on le coupait maintenant, Arnaud. Ah merde! Oh putain! Il y a du sabotage là! Bon allez, on ferme cette. Pas des masses non. Là on ouvre plus le coffre en fait. C'est bon, j'ai pris un pull en trop, j'aurais pu l'enlever quoi. Non, on va bien te dépecer toi aussi. Non mais du coup j'ai des affaires qui rentrent pas dans le Beyond. On a deux barres personnes. Ah oui, c'est lourd. Sky. Je crois jamais dû faire ça. Non. Ça c'est sûr. Il rentre du taf la routine. Tine. Ouais, je pense qu'on est prêt là. Mais il est momifié le mec au fond là. Oh, je dire, moi je suis dévissé, fuck un pharaon. Moi je me fous au fond, j'en ai rien à battre. Putain, mais le supplice. Bah ouais. Belle. Voilà. Mais il y aura pas de réaction stable. Non, mais... Faut envoyer l'industrie des bleus parce que je vais pas tartiner tout seul là. Double couteau. Ouais, bah. Fournir un bolos. Bah oui, mais fournissez un couteau à ce bolos. C'est ça. Unissez-moi. Donc en gros, le train il est trop à l'arrière, mais du coup, comme c'est customisable, on va pouvoir le déplacer pour soulever la voiture quoi. Ouais. Du coup, on va arrêter d'être. On est trop comme ça. Ouais. On va pouvoir relever et on consommera moins et on fera moins d'appui sur les trucs. Alors le review Monster, alors ce parfum là il est vraiment dégueulasse, genre giga chimique. Voilà. Avec à l'odeur. Je déconseille. C'était quand même évident quoi. De qualité moyenne. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui va nous arrêter? Ah, c'est la 3G. Ah, oui. Ça y est, il paraît. Non, mais. C'est un cirque. Que Google nous ait conduit là, quoi. Il n'y a pas d'essence, il n'y a rien. Mais tu sais, c'est ce qui s'est passé l'autre jour en plus là. Ouais. À chaque fois, on fait une recherche pour trouver une station essence et à chaque fois, elle est fermée, quoi. Mais super. Bon, moi, je vais sortir dehors pour voir s'il n'y a pas moyen de. Bah déjà tu ferais bien de te dégourdir les jambes parce que je pense que t'as la place qui fait que tu vas souffrir de paralysie précoce. Tu contrôles plus tes jambes, ça y est. J'ai perdu l'usage de mes mains. Tu vois, les caméras ça me bride. Ça te bride ? Ça me bride. Bah fais abstraction. Tu vois, j'aurais pu faire plein de blagues avec bride mais je l'ai pas fait non plus. Tu t'en sors très bien. C'est vrai. Même sous les feux des projecteurs. Sous les feux des projecteurs. La star. Bonsoir, Paris.
putain, mais ça fait vraiment schlag quand même. Mec, dans une station service là, bien dégueu avec l'odeur d'essence et tout. Eh, toi, tu passes ton tour déjà, tu manges là. J'ai appris à manger que pour 4, c'est bien Hunger Games. Voilà, hein, toi tu commences, en gros, on est à 1€ 10 km quoi. Oh. Oui. Donc si on a. Donc si on a 8000 km à faire. Attends, il y a un problème là. Non, on a payé 100 balles d'essence. C'est ce que j'ai prévu. C'est parti. Bah voilà, on part pour de vrai au Danemark. On va ramener Bobby qui est jamais allé. Et ce matin en conduisant, on me dit putain, ça fait c'était vraiment une idée à la con quand j'ai vu le compteur qui mettait plus 14h, sachant qu'il restera encore au moins 2h. Et en fait, ça va. On arrive dans combien de temps là? Je sais pas, je peux pas le dire. Je sais pas. Dans 10h, on est à. Dans moins de 10h, on est à Hambourg, mais on va pas à Hambourg en fait. Car dernier arrêt essence avant le Danemark. Voilà, il est 5h du matin, on est arrivé à notre première étape au Danemark, on est près de Hedegaard, un village, je pense que ça se prononce pas du tout comme ça. Je suis défoncé au Schizer, voilà. Et voilà, il est 5h, ça fait à peu près 23h qu'on roule, environ, donc on va essayer de se reposer un peu. Et il fait jour, hein. Voilà, il est 5h, il fait jour. Coucou. Ça va pas. Là on a roulé à peu près 23h et on a fait 1870 km. Voilà. T'as les clés ou pas? Ok. Okay.